Donc c'était quoi la suite là? La suite, ça serait Diego, quoi, en fait, hein. Salut collègue, comment ça va? Tu vas bien? Petit souci aujourd'hui avec le stream, je sais pas comment régler ça.
Ouais, excusez-moi, j'ai coupé un peu. Je vais faire un doc encore, je dois relancer le stream. Je reviens, j'arrive tout de suite. Oui, bah, va pisser un coup, tranquille. Je vais régler le paramètre et je vais relancer le jeu. Parce que là, ça me saoule un peu. Ça me le fait pas comme ça, et là, aujourd'hui, c'est horrible. Je reviens de suite. Je relance de suite, je veux dire. Access granted. Je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, il fait pas si chaud que ça. C'est pas que ça bug, c'est des ralentissements quand on est en voiture en fait. Des ralentissements assez importants du fait que même ça a un impact même avec la personne qui est à côté de moi. Je vais être obligé de... Et salut Banquise, comment ça va? La forme? Puis le temps. Relance, excusez-moi. Hein. Ce soir, c'est soirée galère. Hein. Ce qui se passe, c'est soirée galère. Access granted. Relance. Neuf banquise. Allô, allô. Pas très assidu.
Ça pourrait être une soirée importante. Faut que les choses se passent bien. Là, ça me casse un peu les pieds. C'est gentil, merci Vauquise. Parce que là, les choses devraient s'accélérer dans les jours qui viennent. Il faudrait que je puisse jouer, quoi, en fait. Ah, aujourd'hui, c'est galère, hein, putain. Ça n'a pas l'air d'être en PLS, hein. Qu'est-ce que ça va passer cette fois-ci? Passé, ok. Oui, il y a le son normalement, mais il est où? Oui, je vais. Ouais, tu es où? Bah, je suis à côté de toi. Ah putain, je te vois pas. Pas possible. Que tu rentres, je pense, parce que... Attends, je vais me lever. Attends deux secondes. Ah oui, je te vois. Ok, tout va bien. Parce que je vois mes meubles, je te voyais pas. Pardon. Ok, tout va bien. Caché. Tu t'étais caché. Oui. Ok. Ah putain, attends, je vais ranger les trucs que j'ai à bouffer. Que sinon, je vais jamais penser à les ranger. Hop, ça c'est bon. Hop, c'est bon. Vous l'entendez là? Ça. Ok, dans toi. Est-ce que j'ai à boire? Tiens, on va attendre. Par contre, j'ai 18 bouteilles d'eau qui finissent aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc, si tu veux prendre de l'eau, vas-y. Hein. Fais-toi plaisir. Vas-y, je vais t'en prendre quelques-unes. Après, moi, c'est du 21, donc... Parce que là, moi, ils finissent. J'ai deux jus de pomme et deux bières qui finissent aujourd'hui. Et après, c'est tout ce que j'ai, là, sur moi. Après, j'ai 5 bouts de charque qui finissent le 21, donc je vais te les mettre ici. Ouais. Bah non, t'es là encore, là, demain? Demain soir, je suis là, ouais. Oui, donc, par contre, il y a 14 bouteilles d'eau, là. Si tu veux prendre des bouteilles d'eau, vas-y. Ça va. Te plaise, hein. Et c'est parfait. La complication, c'est de savoir ce qu'on va faire en fait. Ouais, je pense qu'il faut encore attendre un quart d'heure en vrai. Ouais. Soit ça, soit on prend quelques sachets de mètre et on va les revendre côté. Alors, on va attendre un petit peu et après, au pire, on se met à vendre. Au pire, on va attendre un petit peu de toute façon. Comme ça, on va faire un peu le point aussi en attendant que.
Bon, pour yep. MP, on est OK. Hein. Oui, bah oui. Pas de doute, tatati tatata. Ça, c'est fait. Pour VB, on est OK. On a rendu tout ce qu'on avait à rendre. On a touché l'argent. On leur doit plus rien, ils nous doivent plus rien. C'est ça. BWB, pour l'instant, bah, on ne s'est pas avancé. Hein, pour l'instant, parce que... Bon, Tu lui as dit quoi, Maury, tout à l'heure, là? Quand Tout à l'heure, il a dit grosse soirée. Moi, j'ai dit ouais, je lui ai dit qu'on était occupé ce soir. Tu sais, quand il m'a demandé si on était dispo, j'ai dit non, on est occupé ce soir, on a des trucs à faire, en fait. Sans aller plus loin, quoi. Ouais. J'ai dit ni une connerie, Non, j'ai même dit non, ce soir, ça va être compliqué, je pense. Voilà, c'est ça que j'ai dit, exactement. Okay. Ce qui est la vérité, mais bon, je précise rien de... Voilà. Ouais, on s'étale pas, point barre. On s'étale pas, point barre. Parce que comme je te dis, déjà, rien n'est garanti à 100% pour nous. C'est pas la peine non plus. Et après, on ira les voir en disant... et on leur a dit avant MP, quoi, en fait. Qu'on va... VB, bon, c'est réglé, on leur doit plus rien, ils nous doivent plus rien, donc on n'a même pas besoin d'aller les voir, en vrai, puisqu'on n'aura pas de marchandises à leur donner. Ouais, non. Après, je peux toujours appeler Harris. Je sais pas si c'est Harris ou Jamie que je peux appeler en disant que bon, maintenant on est. Enfin, si c'est fait, quoi, nous on est ailleurs, quoi, en fait. Non, mais après, si c'est ça, vaut mieux que tu les laisses te recontacter et au moment où ils te recontactent, tu dis bah non, maintenant on fait partie d'un groupe, donc voilà. Au pire, je demanderai conseil à Diego. Ouais. Il doit savoir comment ça se passe. Tu sais, par contre, BW, comme ils nous ont proposé, il faudra qu'on leur dise non. Et pourquoi alors, on a pris notre décision. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, mais il faut qu'on soit de concert parce que ce serait possible qu'ils nous demandent, tu vois, chacun. Ah ouais, mais le concert, on l'a, le concert en fa majeur. MP nous a demandé avant eux. On avait dit que pour l'instant, c'était pas encore le truc et qu'on réfléchirait. Voilà. On n'y était pas encore là-dedans. Eux, ils sont venus, ils nous ont proposé, on leur a dit la même chose. Et VBMP est revenu à la charge et on s'est rendu compte tous les deux que bah en fait que ça nous chauffait vraiment bien quoi en fait. Voilà. Ouais. C'est tout. Après quand j'ai travaillé pour eux, j'étais totalement honnête, il n'y a pas de souci vis-à-vis de la façon dont j'ai travaillé avec eux. Avec BWB. Ouais, voilà. Il y a eu aucun amalgame avec ce que enfin j'ai rien fait par rapport au fait de vouloir rentrer chez MP. Hein. De toute façon, j'en étais quand j'ai travaillé avec eux, j'étais même pas en train de me dire que j'allais rentrer chez MP. J'ai rien fait de... S'ils leur sont tombés dessus, j'y suis pour rien. J'ai fait mon travail consciencieusement. Voilà, quoi, c'est tout. Ah ouais, bah après, mais tu vois, c'est ça, c'est ABWB, on leur doit rien. Donc, c'est tout. Eux, ils nous doivent le dernier spot, hein, en vrai. Hein. Ouais, bon, s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous. Et moi, je m'en fous aussi, parce que même moi, je leur ai dit, il n'y a rien qui s'est passé, puisque ça s'est terminé dès le premier coup. Donc, voilà, quoi, donc... pas leur demander de l'argent pour un truc qui s'est même pas vraiment fait en vrai. Ouais. Et donc on va attendre un peu. Si on n'a pas de nouvelles de Diego, ben on va vendre un peu, hein, pour Diego. Ben, je pense que au plus vite ce sera fait, au mieux ce sera. Ouais. Et puis bon, 200 ça va aller vite. Par contre, je te dis, t'es 180 de weed là. Je pense que si on part vraiment chez VB, je pense que Diego va les prendre quoi. Mais bon, en même temps, en valeur, il n'y a que dalle quoi. Il n'y a rien. Ça peut traîner dans mes coffres, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est 4000 balles en salle quoi. Ouais. Bon, après, est-ce que vraiment on aura besoin de salle après est-ce que d'en avoir plein du salle après hein. Ouais, je sais bien. Mais tu vois, enfin ouais, voilà. Ouais. Toi, t'as remis ton solde à zéro, 2581. Et toi, je t'ai mis à zéro tout à l'heure aussi. J'ai commencé à se dire que j'ai 120 de mètres, moi. En fait, la dernière fois, moi, j'ai revendu la coque et j'ai revendu toute ma weed. Donc, le sale, on l'a en mètres, quoi, en fait, d'accord. C'est ça. Et en fait, là, si on vendrait les 180 de weed, on transformerait tout en mètres. On aurait 50 mètres, je crois, un truc comme ça. Ouais. Chiant, la weed. C'est le chiant et long, la weed. On se rajouterait 32 de mètres, en fait. Donc, on aurait 52 de mètres de bon, quoi, en fait, au final. Bah, est-ce qu'on en aurait besoin? Bah, pas spécialement, mais bon.
On va pas appeler Ava de toute façon. Hein. On passe non, par. On a passe vu par avec Diego. Non, mais c'est ouais. Comme elle était venue nous voir aussi. Tu sais qu'elle avait ouvert la porte, elle aussi. Donc... Ouais, et il faudra voir aussi, c'est. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est la caisse d'armes, la Catum. Hein. Oui, ben ça, c'est pas grave. Si on leur doit pas la caisse d'armes, en vrai. Hein. Si on leur fournit pas, on leur fournit pas. Qui sait, peut-être que. Je sais pas. On va peut-être avoir des occasions de faire des caisses d'armes en plus, ou je sais pas, en fait. Hein. Je sais pas. Si ça se trouve, je sais pas. On aura le droit de faire des ammunition, hein, puisque c'est ça qui est. C'est le comment dire c'est le là c'est le grand mystère là en fait hein, c'est le grand en flou artistique yep c'est pas trop hein. T'as laissé une fenêtre ouverte ou pas à qui ici à ton appart il ouais, y a du courant d'air tout qui souffle ouais mais pas chez toi hein, c'est vraiment ici en fait je sors pas de souffle hein. Ouais, bizarre. Ah tiens, j'ai croisé Harley. Elle avait l'air super bizarre. Hein. Bah, tout à l'heure au machin. Oh, là. Ouais. Ah ouais, elle avait l'air super ouais. Bizarre hein, quand même. Hein. Elle m'a pas reconnu, ouais, mais. Elle est passée à côté avec un rire un peu. Ouais, bizarre. Et moi, à côté de moi, elle est venue, elle me dit ah, je prends pas tout l'escalier, j'ai pas grossi tant que ça et tout ça. Bizarre, c'était bizarre. Tu m'entends bien là, en fait. Ah oui, je t'entends super bien là. Bon, on va les vendre un peu, je pense. Attends ouais. 10 minutes, on va vendre un peu. Ah mais le truc là c'est qu'on peut pas les vendre à l'université et tout hein. Ah oui la plage et l'université c'est la merde. Oh putain ouais. Le soir ça va être chiant pour moi. Ouais. Ah oui putain casse-couille ça. Ah ouais oui parce que là pendant un certain temps Et là à chaque fois qu'on est passé sur Clinton ces derniers temps il y avait pas un chien. Ouais bah je sais pas si t'as vu mais le truc ça se passe sur le casino apparemment. T'as vu la folie Weasel News ? Bah, je sais pas, mais la thèse sexuelle, le truc du casino est interdit là. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai pas vu. Alors, j'ai l'impression que c'est un casino qu'ils sont en train de faire. Hein. Avec nos gars de la PLS. Hein. Ouais, bah, c'est bien. Ouais. Hop. Parce que du coup, ouais, côté... il y a que du côté de chez toi le soir, peut-être. Allez. Ouais. Après, on peut aller se poser chez moi, et puis si tu le sens, tu vas en faire 10. Si je le sens, je vais en faire 10. Ouais, voilà, voilà. Ça. Bon, ça, j'en prends là. Bah, ouais. Ouais, j'en ai beaucoup, moi. Ouais, c'est vrai. T'en prends là ou pas ? Bah, je sais pas. Ouais, pour 10. Ça rééquilibrera un peu. Ah, oui, c'est vrai que t'en as 120, toi. Ah ouais, c'est pour ça. Ah, magnifique le temps. Oui. Super, hein. Ah, j'ai la sensation que ça le fait moins quand même. Et pourtant il pleut, hein. Ouais. Ça frise un peu moins quand même là, non? Voilà, il y a la pluie, ça déconcerte. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouveau pack de textures là. Il y a des coups chez toi là? Ouais, il y a des coups. Ok. Nouveau pack de textures qui rend quand même le jeu beaucoup plus beau. Ah, c'est ça, hein, c'est, ah bah, tu ouais. Vois, je t'avais dit, hein, c'est le casino. Hein. Ouais. Nouvelle attache libérée. Il y a un peu de ralentissement, mais ça ne frise pas comme ça frisait
Les ralentissements, la pluie, ça y fait un peu, hein, la pluie, hein, parce que la pluie, ça... Je vais aller te faire de l'essence. Hein. Quand même, ça frise un peu. Ça, si jamais il y a du monde, t'as qu'à remonter, toi. Ouais, on va faire comme ça. Ah, j'ai quelques sous quand même. Si ça va. C'est pas dû au pack de textures, parce que le pack de textures ne prend pas en charge. Je vais faire un petit tour à pied, ok? Ouais, vas-y, vas-y, ça marche. Je suis peut-être garé un peu loin là. Je m'en doutais qu'il en voudrait lui. Surtout en voiture que j'ai problème de... La dernière fois que je suis venu vendre ici, je me suis fait kidnapper quand même. Hein. Ouais, c'est ça, je suis à 32 paires d'images, 34 images ralenties, mais je comprends pas parce que j'ai encore baissé là les trucs du stream. Je me suis mis en 1280 par 720, 30 fps, 4500 kbps. J'ai baissé les graphismes du jeu, je comprends pas. Pourtant, normalement, le pack de textures n'a pas d'effet sur le.
Ils ont disparu les pièges. Acheter toi. J'arrive pas. C'est pas. Ah. C'est fait. Ça, c'est fait. De toute façon, on s'en fout. Si on doit vendre, hein, si jamais on dit qu'on a beaucoup de cam à vendre. Yep, vas-y, c'est ouvert. T'as pu les vendre, t'as dit ça? Ouais. Donc je dépose 1330. Tu notes. À 10. 1330. Non mais dans le tableau, j'ai juste à marquer 10, ça se fait tout seul. Oui. Non mais je confirmais que c'était bien la bonne somme quoi, en fait, que pas de perte. Ah oui. Et il faut juste déduire de chez moi. C'est fait, ok. Il fait jour là? Comment ça se fait qu'on est à 3900 sur... On est à 3711 et ouais, là t'as... j'ai 3911. J'ai dû me tromper. J'ai gouré quelque part. Ouais, je pense que j'ai dû me tromper, ouais. Oula, oui, t'as... Ça devait plus être comme ça, je pense. Ouais, c'est 2381. Par contre, le plus en salle, il est pas bon. Là, il y a quelque chose qui va pas. Le plus en salle. Ah oui, mais il manque les disques que t'as, toi, en fait, assure-toi. Oui, c'est ah cool. Oui. On va vite fait à la zone industrielle. Vas-y, tu me poses. Ouais. T'as 10 sur toi, moi j'ai posé le sale. J'en ai 15. J'en ai repris 5. Comme ça, je serai à 80 au lieu de 85. Un peu moins flagrant. Ça le fait encore, hein. Ça le fait encore, hein. Ce que j'avais dit. Tu fais bien gaffe, hein, quand même. Ouais, t'inquiète. S'il y a un casino, ça n'empêche pas qu'il y ait des patrouilles. Ouais, quand même, hein. Hein? Je dis ça ne les empêchera pas de tourner. C'est quand ce même. Que je dis. Il y aura des équipes qui vont s'occuper du casino, mais il y a des équipes qui vont tourner. Hein. Ouais. Faire un petit tour. Ouais, si on voit juste une personne, tu t'arrêtes, ça devrait faire venir des gens. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et c'est parce que là, la nuit elle tombe, donc je pense que les gens rentrent chez eux. Quoi. Ils ont fini de bosser, ils rentrent. Pas fou là. Non. Ah là, c'est bon. Yep. Je te laisse. Vas-y, à toute. C'est pas ma voiture.
Mais les textures sont. J'ai changé les textures pour avoir un truc un peu plus beau, en fait. En étant dans le respect des règles Fairy Five, évidemment, puisqu'il y a des textures interdites qui donnent des avantages. Ici, c'est des textures qui ne donnent rien d'avantage au jeu. C'est juste. Ça rend le jeu un peu plus beau. C'est tout. Donc, en fait, il y a un petit peu plus de détails, même sur les voix. Plus de profondeur de champ aussi. Décor. Et normalement, ça n'a aucun effet sur les FPS et sur le truc, puisque c'est juste de la texture, c'est pas du graphisme. Ouais, c'est plus coloré, il y a plus de détails. Bah, même les montagnes ici, on voit que c'est plus détaillé. Alors c'est pas choquant quand on voit comme ça, mais si tu regardes par rapport à ce qu'il y avait avant, en fait ça fait une certaine différence quand même. Là-bas au fond, ça et tout. Bon, j'aurais bien aimé que Diego nous rappelle, bordel. Déjà, putain, ça a été vite. Tout à l'heure, il se plaignait que ça se vendait pas, mais là, 15, à moins qu'il n'y ait plus personne. C'est possible aussi qu'il n'y ait plus personne. On peut pas aller du côté de l'université parce que à cause de la fête de la musique, la zone du casino crée des crashs en fait du jeu entre l'université et le casino. Entre l'université et je veux dire l'endroit où il y a la plage là où il y a. Vous vendu? Ouais. C'était rapide, hein? Vous payez que c'était pas rapide. Tout à l'heure, j'ai vendu 4-3-3. Ah ben là, ouais, c'est bon. Mais t'as, tout à l'heure, je te jure, c'est 2, ouais, 1, ouais. 1, 1, 1, 2. C'était des petits acheteurs, hein, c'est comme ça. Hein. Regarde là, il y a du monde partout, tu vois, du coup. Tu vois, jusqu'à 19h30, 20h, il y a du monde ici. Et le matin et l'après et le midi. Mais des fois, tu vois, par exemple, si tu vois qu'une seule personne, faut pas hésiter à attendre. Et il y a du monde qui arrive. Ouais. Et tu vois que, tu vois qu'il y a vraiment d'autres endroits où on peut vendre au final. Ouais. La seule chose, c'est qu'ici, ce qui est bien, je trouve, hein, c'est que c'est des grandes lignes droites. Tu vois. Oui, donc tu peux voir. Et on peut voir arriver des voitures. Bah, il y a des endroits où tu te feras choper parce qu'il y a des petites contre-rues, quoi, qui peuvent arriver. Là, quand tu m'as déposé, juste un peu plus loin. Bon, j'ai pas vu sur le coup, mais après, parce que j'étais un peu loin. Mais il y a un gars qui attendait avec son téléphone. Du coup, je m'approche. Puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive en moto. Je dis putain, ça y est, c'est pour ma gueule. Ouais. Et au final, non. Le mec, il est monté sur la moto derrière et puis ils se sont barrés. Ouais, il a peut-être appelé en disant il y a quelqu'un et ils font peut-être sécurité, quoi. Tu vois, ici aussi, il y a du monde. Ouais, bah ça, c'est chez toi ici. Hein. Un peu plus haut, tu sais. Ici, chez toi, il y a toujours un peu de monde ici. Hein. Le soir, il y a du monde. Hop. Vas-y. Hop. Merde, putain.
Ça faisait longtemps, tiens. Ah ouais, ça faisait longtemps. Hein. Putain, on est là. Là, on est bien revenu au 7186. Ouais, c'est bon, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On prend chez toi et on va vers chez moi ou. Bon, on prend ici, de toute façon, on ouais, s'en fout. c'est ce On que je dis. équilibrera tout à l'heure. On équilibrera plus tard. On prend 10. Parce que le truc, en fait, ah oui, tiens, je pensais à ça, Joey. Si on dit à Diego, bah on va venir, alors qu'il nous a pas encore payé pour la mettre et pour les objets qu'on a chez nous. Bah on est niqué de tout ça, quoi, tu vois, en fait. Ouais, mais les objets, à la limite, on s'en fout, ça sera pour le travail qu'on fera après, quoi. La Ouais, mais mettre. pour la mettre, voilà quoi. Bah ça, c'est un truc entre lui et nous, hein. Je pense qu'il nous la paiera quand même, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Tu penses? Ouais, je suis sûr. Hein. Vu comment il a toujours été, je pense qu'il nous la paiera. De toute façon, c'est un truc. Là, on va lui parler pour lui. Moi, ce que je voudrais lui dire, c'est que nous, on est OK. S'il veut organiser une rencontre avec son groupe, parler, on est OK. En attendant, on va vendre, de toute façon. Et ça, on aura vendu d'ici demain soir, ça sera vendu, hein, cette merde. Hein, de toute façon, hein. Oui. Il y a un monde. Alors, il y a vraiment un monde où c'est possible que demain après-midi, je sois là. Ok, bah écoute, de toute façon, on laissera de la place. Là, on aura de la place normalement pour tout, hein, là. Parce que c'est Ouais, 26 600. 26 600. Donc là, on laissera de la place dans les deux coffres. On équilibre le sale ce soir et puis Voilà, voilà. c'est Hein. ça. Et on quitte le sale et la dope. Faire en sorte qu'il y ait pratiquement de Ouais, quoi vendre des deux côtés quand on aura. sauf la weed, garde-la pour Oui, non, l'instant. là, oui, on verra plus tard. Ça. À la limite, ça pourra me servir. Ça pourra me servir à faire des cadeaux, trucs, tester des gens peut-être un jour, que ce soit. Ça se trouve, peut-être qu'un jour, on recrutera des petites mains. Si on rentre chez eux, peut-être qu'un jour, on recrutera des petites mains, ça pourra servir. Hein. Possible. Mais bon, ouais. Je sais pas, on verra. Et au pire, j'en distribuerai aux politiciens, ils aiment bien ça, s'envoler. Juste à Mirror Park, donc si tu regardes la carte, ils sont là. Cette Ça zone-là. va pas? Si, ça va, je réfléchissais 2 secondes. Je m'étais mis sur le côté pour réfléchir 2 secondes. Ah, ok, d'accord. Là, si je vais tout droit, là, tout droit, là où, un peu plus loin, c'est là où ils sont. Juste là-bas. La rue. Comme ça, tu peux vendre un peu autour de chez moi s'il y a du monde. Ah, c'est ce que j'allais dire, je pense que je vais te laisser monter chez C'est toi et ça. puis C'est ce je que vais je vais faire un faire. tour. S'il y a du monde, hein, parce que des fois j'ai l'impression que c'est presque une nuit sur deux, quoi, en fait. Comme je te dis, c'est avant 1 heure, 2 heures du mat, quoi, parce qu'après ici. Tu veux que je te lâche à côté de l'église et je rentre après? Bon, ou tu peux me lâcher chez toi, hein, peu Quand importe. tu veux. Sans chez toi, c'est déjà un bon indice. S'il y a du monde là, il y aura du monde un peu plus loin, quoi. Ouais. D'avoir des plaintes si tous les gars de la PLS sont fait kidnapper. Hein. Bah, c'est bizarre, moi, mon téléphone, en fait, il apparaît. Hein. Moi non. Ah ouais, c'est bizarre quand même, parce que moi, il apparaît. Là, je viens de voir justement ça sur le téléphone. Rapidement, mais il apparaît. Ouais, j'ai peut-être changé un truc qu'il fallait pas, je sais pas. Parce que justement, je viens d'y penser quand je viens de voir le téléphone qui me montrait le message CDT qui demandait un plein. Y a pas fou là. Je vais regarder un coup dans mes paramètres. Ah, c'est parce que j'avais pas mis en kit main libre, j'ai dû l'enlever. Ah voilà, ça je comprends. Il y a du monde là. Il y aura peut-être du C'est monde à moi l'église. qui l'a fait une connerie. C'est toi qui l'as fait la connerie. Oui. Ah voilà, c'est toi qui l'as fait la connerie. S'il explique Faut pas lui cela. dire, sinon il va me mettre la fessée. Allez, Est-ce j'y qu'il y vais. a du monde au. Il y a du monde là. Ouais, bah Attention. t'inquiète, ils vont venir, ils vont voir mes bras, ils vont venir, t'inquiète.
Ok. Alors, en fait, leur vrai nom, c'est No Face. Leur vrai nom, No Face, pas de visage. Mais leur symbole, c'est MP, en fait, parce qu'ils habitent à Mirror Park. Maintenant, tout le monde les appelle Mirror Park, mais en fait, au départ, c'est NF, donc c'est No Face. Donc, sur le wiki, tu le trouves à Mirror Park, quand même. Hein. Sur le wiki, j'avais le. Et le truc, c'est No Face, ouais, c'est ça. Ah, bah, tu l'as. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que leur symbole maintenant c'est Mirror Park et que tout le monde les appelle Mirror Park parce qu'ils habitent à Mirror Park. Avec leur chef Dristan Todd. N'a pas encore rencontré. Hein. Donc, pour l'instant, rien n'est fait. Ça se trouve, ça va pas le faire. Il y avait Ava qui nous avait approché déjà une première fois et on avait dit d'attendre un peu. Et là, il y a Diego qui nous a réapproché. Et on a discuté avec Russ et on s'est rendu compte qu'en fait, au final, c'était sûrement ce qu'il y avait mieux. Apparemment, ça ne sera pas ce soir. Si ça se fait, si ça se fait, évidemment, oui, ça va être le nouveau chapitre, on pourra dire, hein, parce que si on rentre chez MP, chaussures rouges, donc chaussures rouges quand tu es nouveau, chaussures marron quand tu es intégré réellement. Chaussures rouges, en fait, si tu veux, c'est les bleus, quoi, chez eux, et chaussures marron quand tu es vraiment. On retrouverait donc Angelo qui a été embauché chez eux. Il nous a dit qu'il était rentré chez eux là, il y a 2 semaines à peu près. Oui, ça sera un nouveau chapitre. Ouais, c'est ça. En fait, la chemise hawaïenne, ça a tout fait, quoi. En vrai, c'était la chemise hawaïenne. C'était pas possible. Et en plus, on a toujours été attiré depuis le départ par Mirror Park. On s'est toujours bien entendu avec Ava, avec comment il s'appelle, avec Diego et voilà. Même les gens avec qui on livrait, ça se passait plutôt. Et on a toujours eu un peu en tête, chacun nous de notre côté, que si on se disait, on s'était déjà posé la question il y a quelque temps, si un groupe t'intéresserait, ce serait lequel? Et on avait un peu la même réponse avec Ross, on disait ouais, MP, parce que le bise en plus d'MP est peu connu. Tu vois, les nuages et tout ça, là-dedans, ça change quoi, la texture, elle est vraiment différente. Moi, même beaucoup plus loin, tu vois, je voyais pas le pont ici de chez moi quand avant dans la texture. Et on s'est dit. On s'était déjà dit à l'époque que c'était un groupe qui nous plaisait. Et en plus, le bise, que je ne connais pas trop. En fait, en vrai, c'est un bise que je ne connais pas trop. C'est un bise qui nous intéresse. Donc, les sacs, les babioles. Et en fait, il faut savoir que c'est les brokers, c'est Mirror Park, qui rachètent toutes les caisses de Flika, de Pacific et de Casino. C'est eux qui sont les racheteurs finaux de. Quand les autres groupes braquent un Flika, un Casino ou un. Ou Pacifique, ils sont obligés de revendre soit à Brokers, soit à MP, parce que c'est les deux seuls groupes qui peuvent les traiter en fait. Donc bon bah voilà, c'est un bis que je connais pas trop et qui m'intéresserait en fait. On sait qu'il y a le porte-à-porte pour aller piquer les babioles dans les maisons. Voilà quoi. Donc c'est pas le même bis que la drogue ou des trucs comme ça, que je connais bien parce que c'est vrai que j'ai beaucoup regardé Scox. Le bis des bagnoles, je connais bien parce que j'avais beaucoup regardé Symbiose aussi. Je connais pas trop le bis des armes. Ah, c'est ça. Je connais pas trop le bis des armes, mais bon. Mais par contre, celui des... Je connais pas lui. Et voilà. C'est vendu? T'as tout vendu? T'avais pas déposé, toi?
Ici? Ah non, t'as fait chez moi. Bah, j'ai déposé chez toi. Tu fais la modif ici? Ouais. Tu mets 10, juste, voilà, oui. Par contre, la dope, on l'a prise chez toi. Hein. Il faut faire le... C'est chez toi. Ouais. Ouais, mais moi, il m'en reste 80, c'est bon. Bah, je crois, du moins. Ah non. Bah non, on en a pris 20, chaque... 10 chacun chez toi. Donc 60 et il en reste 10 à vendre, du coup. Ouais, là, t'en as 10 sur toi. J'en ai 10 sur moi, là. Vas-y, donne, je vais aller les vendre ici. T'es sûr? Tu veux pas attendre 5 minutes, quand même, par... Je fais bien gaffe de pas me tout gourer. Hein. J'aimerais pas goûter cette merde, je te le dis. Parce que bon, la coke, déjà, ça va suffire. Hein. Je pense que tu dois être vite accro à cette merde. Non. Pas aucun intérêt, vraiment. Vas-y, j'arrive. Bon, tu fais gaffe quand même. Hein. Ouvre bien les yeux. Hein. Ouais, c'est les autres qui doivent faire gaffe. Voilà. Ok. Je t'ouvre un peu. Quand il est à côté de chez moi, c'est lui qui vend parce que ça évite l'histoire de la perquise comme il va avoir. Et quand on est à côté de chez lui, c'est moi qui. Ça, on est un peu plus tranquille. Là, on peut pas faire l'université à cause du problème de crash à cause de la fête de la musique. Le temps qu'ils enlèvent le truc de la fête de la musique, ça fait trop de crash par là-bas. Et en journée, on va aller vendre. Putain. De toute façon, on n'est pas en urgence. On a déjà livré VB. Il n'y a plus aucune urgence du tout, c'est pour dire. On va le mettre. On fait ça pour s'occuper. Ouais, c'était sympa la fête de la musique. Après, le problème, c'est qu'il n'y avait que 140 slots disponibles au lieu de 300. Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre plus de 140 personnes, sinon c'était trop compliqué. Et donc, moi, j'y suis allé très peu. Hein. J'ai beaucoup regardé sur YouTube, mais parce que c'était en direct sur YouTube, sur la chaîne Philly Five. Mais j'ai pas trop regardé. J'avoue que j'ai pas trop. On n'y a pas trop été. On a quand même acheté des tickets, mais on n'a pas gagné le gros lot. Hein. Le gros lot, c'était celui qui gagnait le gros lot, c'était il pouvait choisir la voiture qu'il voulait chez le concessionnaire, n'importe laquelle, même celle qui se revend, même un Camacho qui se revend des millions. Donc c'est un shérif qui a gagné. Il peut s'acheter la voiture qu'il veut, après la revendre. Riads, aux enchères, fine quoi. Le gars, il va devenir riche, quoi, s'il choisit la bonne voiture. Moi qui vais la garder après. Ah, beau cadeau, ouais. Enfin, moi, j'avais acheté que 3 tickets, donc, qui de gagner avec 3 tickets sur les 3000 et quelques vendus, je crois, gars. Enfin voilà, donc si jamais on est pris chez MP, ça sera un nouveau chapitre. On passera à la saison 3 de Joey Brennan. Ça va tout changer. Hein. On va être suiveur au bon moment. Même l'appart, c'est pas sûr que je puisse le garder. On va devoir quitter la PLS. C'est fini. Au moment quand tu es dans un gang, alors la PLS elle autorise à continuer en étant dans un gang, et normalement quand tu es dans un gang, les gangs te demandent de quitter tout emploi civil en fait. Ah bah là, ça va être la découverte totale. Hein. On va partir à l'aventure totale. Hein.
bientôt faire jour. Ouais, allô? Ouais, j'arrive. Ok, je t'ouvre. C'est ouvert. Allez, à toute. Que deux streamers chez MP actuel. C'est les deux seuls qui stream à l'heure actuelle. Ok, je te laisse noter. Hein. Je t'attendais pour me faire un petit café. Oui, vas-y. Et comme il commence à faire jour, après on va... Ouais, mais je vais déjà reprendre 10. Et... Moi, j'en prendrai 10 aussi. Je reprends 10 aussi. Ouais, ça marche. Je mets à jour le tableau, t'inquiète. Ok, je te laisse faire pour l'instant. Parfait, tranquille. Je vais faire mon café. Parce que je voulais pas, pendant que je fasse mon café, que j'entende pas la sonnette, quoi. C'est pour ça. Ouais, t'inquiète. Je reviens.
Ok. Encore des otages libérés. Ouais, mais un otage surprise, est révélé. Ouais. Un otage surprise est révélé. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est un vrai feuilleton, leur bordel, là. C'est quoi cette histoire des otages surprise? C'est quoi? C'est nouveau? C'est un truc maintenant? C'est une PO déguisée. Ouais, c'est ça. En fait, ils préparent le carnaval, mais c'est pas la période là, du carnaval, non? De toute façon, il y a plein de clowns qui les entourent là, avec le LSPD, donc c'est normal. Hein. Bon, t'attends, ouais. Ah, c'est bon, je suis prêt. Bon, allez, je t'emmène. Je t'emmène. D'accord. La zone Adus? Ouais, si, ouais, comme il fait jour, on va aller là-bas. Ouais, parce que pour l'instant, on n'a plus trop de choix, quoi. En fait, la plage est morte. Ouais, chier, en fait, de la musique. J'ai ouvert. Ok. En vrai, je suis sûr que j'aurais encore pu vendre là. Oui. Mais si, il y a beaucoup de passages hein, quand même. En journée, c'est un peu. Bah, la police, c'est directement de chez eux. Ils sortent directement ici, quoi, en fait. Hein. Ouais. Ils passent par là 18 fois par heure, quoi. Hein. Faut pas se leurrer, ça reste un point de passage pour la police. Quoi. Ah oui, ça oui. Et pour tout le monde d'ailleurs, parce que bon, c'est un des boulevards où il y a plus de monde qui passe, une des avenues où il passe plus de monde, quoi, en fait. Donc là, les gars, ils sont en train de distribuer l'essence que, enfin, ils ont distribué l'essence que Liana et William, ils avaient fait, en fait. Ouais, bah c'est bien. Hein. On appelle ça le travail d'équipe. Hein. Il y en a qui vont faire leur quota tranquillement. Quoi. Je t'avouerai que là, cette semaine, mon quota, je vais le faire par. Voilà, par parce que je suis moi, un professionnel. Tant que. Ouais. Mais j'en ai rien à faire. Ah bah tiens, regarde. Je parle de. Ça rentre peur dedans, tiens. Comme ça, son quota. Enfin, on va exploser aussi. Hein. Ouais, mais tu me déposes. Hein. Il va pas rentrer dans l'Irar. Il va pas rentrer. Ça va. Mais maintenant, t'as le droit de passer de tout là. J'ai pas vu venir. Ah, moi non plus, j'avais les yeux à droite. J'étais à travailler avec la caméra PLS. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vais continuer à faire comme je faisais un et demi tous les matins. Minimum 4 matins par semaine. Hein, donc, c'est ça. Ça me fait mon quota. Sauf si il y a une décision qui est prise avant, quoi, tu vois. Mais s'il n'y a pas de décision prise avant, moi, je continue à faire mon quota comme si de rien n'était, quoi. Ouais. Change rien. De toute façon, faire 1,5 de quota le matin, c'est... enfin le matin ou même en après-midi, ça va vite. Hein. Ça prend une heure. Oui. Bah, c'est ça, regarde que moi ce matin, et encore, tu vois, j'avais quasiment rempli mon camion quand t'es arrivé. Ouais. Donc, ça prend une heure. Quoi. Après et le matin, quoi, ça peut t'arriver de tomber. Moi, ça m'est arrivé de tomber le matin et d'avoir 4 camions. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Là. Ouais. Vas-y, je te laisse là. Problème. Par contre, t'es vachement près du boulevard là. Ok, essaye d'avancer vers le fond. Quoi. Ouais. Allez, à toute.
Qui c'est qui est en train de braquer le casino? Ça, moi, je sais pas, hein, puisque... Ce sera la surprise. Par là-bas. Encore des trucs bizarres. Ah bon? Là, moi, ça va beaucoup mieux en vrai. Hein. Là, ça ressemble à ce que c'était avant, en fait. Hein. Nickel. À tout de suite. Et à toutes. Là, ça va quand même vachement mieux. Hein. C'est pas comme dans le début de soirée où c'était. C'était catastrophique. Perte quand même, mais enfin, les soirées c'était catastrophique, ça faisait ce que ça fait là, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence. Alors que là je l'ai un peu moins quand même. Des collines là-bas. Tourne quand même vachement dans le coin, il y a des lieux. Ça serait pas au-dessus de Mirror Park là? Park est en train de faire place. Je veux pas l'info, il vit d'abord, hein, si vous l'avez, tu l'avais. 329 et 34, ouais. Surtout que j'ai réglé à 30 max, hein, normalement. 9,34, on est pas mal, hein, puisque j'ai réglé à 30 max et j'ai baissé de 60. Normalement, c'est mieux, hein, je pense que si je mets à 30, c'est mieux que si je mets à 60.
Lana a été libérée. Allô? Ouais, il n'y a rien de clair. Il y a une voiture de DP qui vient juste de passer à côté de moi. De DP? Ouais, ouais. Bah, je les ai pas vus passer, eux. Hein. Allez, vas-y, mine-toi. Ils sont. Tu veux que je vienne te chercher où? Oui, oui, je suis au même endroit que tout à l'heure. Je vais finir devant vous. Ok, j'arrive dans. Au même endroit. Le même endroit que tout à l'heure, dans l'angle là-bas, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Je suis là dans une minute. Dans 30 secondes. Je les ai pas vus passer, eux. Ouais, mais ils sont des voitures discrètes. DP? Ouais. C'est sûr que c'est DP. Parce que c'est. Alors, Volteurs, elles sont pas très discrètes, normalement. Ouais, mais attends, je te rappelle. Mais bonsoir. Effectivement, c'est des pays. Hein. Ah ouais. C'est des révolteurs. T'appelles ça une voiture discrète, toi? Bah ouais, c'est discret, ouais. Tu vois une deuxième, là, du coup. Ouais. Et ils voulaient quoi? Bah, savoir ce que je faisais ici, donc Marco, leur... quoi. Et tu leur as dit, toi? Non, j'ai dit, j'attendais que tu viennes me chercher. Je sais pas pourquoi, mais les icônes, j'ai l'impression qu'ils sont sur au-dessus de MP, en fait. Grand Park. Bah, ils étaient au-dessus, là, juste au-dessus, au nord d'ici, vachement au nord. Personne derrière, hein. Ah non. Je suis chez toi direct. Il m'a demandé comment je m'appelais, j'ai dit Ernest. Ah d'accord. Ernest. T'as dit Ross ? Bah ouais. Je voulais dire Ernest. À chaque fois, je dirais Ernest de Pythagore, mais. Ernest de Pythagore ? Quoi, ouais. Ernest de Pythagore ? Bah, théorème de Pythagore au collège, t'en souviens pas de ça ? Si, mais pourquoi Ernest et pourquoi Pythagore ? Parce que c'est Ernest de Pythagore. Après, le mec, il a un peu l'impression que tu te fous de sa gueule quand même, si tu dis Ernest de Pythagore. Bah, c'est le but, hein. Ouais. Après, t'as droit de te foutre à la gueule. Exactement. À tes risques et périls, quoi. Là, c'est là où des fois je me dis que je devrais mieux avoir un flingue avec moi, quoi, en fait. C'est toi qui vends. Mais ça fait je sais pas combien de fois qu'on se le dit. Hein. Ouais, ouais. Ce serait plus mal. Tu poses ? Ouais, je pose le sale. Excuse-moi. Sale. Et toi, t'en as aussi à déposer. Hein. 1330. Ouais. Et t'as enlevé chez moi, hein, de toute façon. Enfin, 8366, c'est bon. Chez toi, 80. Ouais, c'est bon. Bah, il nous en reste déjà 120 à vendre. Là, ça va vite, hein. C'est pour ça que je te dis kill. Hein. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je vais peut-être en prendre 10 et je vais peut-être aller en vendre un peu dans le coin là. Vas-y, vas-y. Il y a beaucoup de flics là, donc si je reviens pas, tu sors pas, hein, tu viens pas me chercher. Ouais, je vais sur mon toit là. Ouais, alors, fais gaffe qu'ils viennent pas te chercher sur ton toit. Quoi. Ouais, mais la dernière fois, c'est parce que je me suis levé de mon toit en fait. Ah, j'en ai pris 10, je reviens. Vas-y, ça marche. Ouais. Essaye de ranger ma voiture dans ton garage, t'as les clés, juste pour voir comme ça. T'es sûr? Ah oui, essaye. Si tu peux la ranger, tu pourras la sortir. Hein. Juste comme ça pour voir. Je reviens. Ah bah ouais, ça coûtait quand même. Ah mais ça risque rien si tu peux la ranger, ça risque rien. Ouais, ça coûtait quand même, on ne sait jamais. Juste pour voir si c'est faisable ou pas. Parle plus fort, Joey, je te capte. Et je parle doucement. C'est juste pour voir si ça marchait ou pas. Ah ouais. Ça marche? Voilà, je suis en train d'ouvrir la porte tranquillement. Parce que nous, on arrive à ranger celle de la PLS et elles ne nous appartiennent pas. Et non. Non, ça marche pas. Ok. Non. À toutes. Ouais.
Bah les gars, le spectacle est sympa. Ah ouais, c'était pas mal. C'était quoi, les casinos là? Ouais, ils sont... Et salut, comment ça va? Deux hélicos. Oh, ça va. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des hélicos et tout, mais... Bordel, là. Il y a un astron, là, qui tourne. Ouais. Ah ouais, c'est qui, l'astron? Ça, je sais pas. Je crois que c'était Corée aussi, attends. C'est pas NS? Je connais pas. Salut. Ouais, après, c'est peut-être 8C. Salut, comment ça va? Bah, ils étaient pas habillés comme 8C, hein, les gars, mais ça tourne. Hein. Ça tourne, ça tourne. Bon, bah écoutez, ouais, je vais pas tarder à aller me coucher. Bah, salut, comment ça va? Pas tarder à aller me coucher, ouais. Hein? Non. Okay, ça va. T'as l'air d'être exténué là. Ouais, semaine compliquée, on va dire. Semaine compliquée. Ah, on est qu'au début de la semaine. Ouais, bah justement. C'est là où c'est compliqué. Imagine ma gueule, elle a pas de l'as. Putain, on n'en parle même pas. Venir nous poser des questions, quoi. Je sais pas, ils doivent te demander ce qui se passe. Et peut-être c'est bon, j'ai l'impression. C'est qui en face, hein? C'est Aki. Aki. Aki qui était au téléphone avec eux, je crois. C'est un 8C, ouais. Bon, bah tranquille. Bon, bah écoutez, à plus tard. À plus, ouais. Faites pas de bêtises, et faites rien de mal, hein. Je vous ai à l'œil, hein. Ok, hein. Tranquille. Allez, à plus, ciao. Allez, à plus. Non, je vais pas vendre du tout. Hein. T'as tout BWB qui sont en train de regarder la rue. T'as une Astron qui passe. T'as je sais pas quoi comme voiture qui passe là depuis tout à l'heure. Là, tout le monde est en train d'aller au spectacle, tu sais, de l'histoire de la banque là. Ouais. Donc bah non, je vais pas vendre maintenant parce que c'est compliqué là. Ouais, bah, il y avait du monde devant chez toi là-bas où vous. Mais me mettre à vendre devant eux alors que y a tout le monde qui passe. Non, bah non. Ouais. Ah, je pensais que t'étais parti vendre quand même, moi. Ouais, mais quand je suis arrivé, il y avait les 5 de BWB qui étaient en train de regarder la rue, en fait. Ouais. Et après, il y avait une Astron qui est passée, je sais pas, tu as dû l'avoir passée une ou deux fois là. Oui, elle s'est garée. Et à qui c'est qui c'est, parce qu'il était au téléphone avec eux. Il regarde, ça repasse là-bas derrière, en plus. Merde. C'est qui, du coup? Je sais pas. Je ne sais pas, parce que moi, j'étais pas avec Aki. Aki était au téléphone avec eux, mais il y a des voitures qui passent même derrière. T'as vu, il y a deux voitures qui sont passées là-bas. Tout le monde est en train de regarder ce qui se passe autour de la. Il y avait deux hélicoptères, apparemment. Changer de quoi. Moi j'ai pris les 10, toi prends 10 de plus. Et on va aller vers chez moi, je pense. Ouais, vas-y, ouais, va dans ta voiture, j'arrive. Que je passe au bénis, j'ai l'impression que j'ai perdu un œil. Enfin, peut-être que je passe au bénis, je crois que j'ai perdu un œil. Ah ouais? T'as perdu un œil? La voiture. Ah oui, d'accord. Oui, oui, regarde, oui, hop, ça repasse et c'est pas la même Astron là qui passe. Je vais aller au bénis vite fait. En espérant qu'ils sont dispo parce qu'avec toutes les courses-poursuites, à mon avis, il y a du grabuge. Je me demande si c'est pas Mirror Park le casino, parce que tout était centré autour de cette zone-ci en fait. Mm-hmm. C'est un peu chez eux quand même. Hein. Ça expliquerait pourquoi t'as pas de réponse depuis tout à l'heure. Ceci expliquerait ça. Après, Diego, des fois il est pas là le soir. Hein, Diego, des fois il est là en après-midi assez souvent, mais le soir un peu moins souvent en fait. D'où mon idée d'appeler peut-être Ava, tu vois. Mais bon, ça je vais appeler personne. Pas le temps, on verra demain. Ouais, on va. De toute façon, ça se fait pas. Soit demain, soit tout à l'heure, si... Voilà, voilà. On verra bien. Hein. Je vais pas... Pour l'instant, si c'est eux qui sont en train de faire, je vais pas les emmerder. Hein. Ouais, non.
j'allais où? Je suis con, moi. Ouais, tu peux prendre. Tu peux faire. Voilà. Je suis normalement, c'est que je suis plus rapide par là, quoi. Droite et. Droite et la deuxième à droite. Steven. Il y a encore des courses-poursuites, hein. Ah, ouais, c'est pompiers. Ah, c'est pompiers. L'ambulance. Ah, l'ambulance, ouais, bah, il doit y avoir eu des. La fusillade, je pense, hein, de toute façon. Alors, le gars du Belize, il me disait que pendant que tu passais ton permis, tu pouvais laisser ta voiture au Belize gratuitement en plus. Hein. Ah bon? Ouais. Ils ont des places, ils ont plein mal de places, donc ils se gardent toujours des places, bah, notamment pour la PLS si jamais un camion explose, parce qu'ils doivent garder la citerne dedans, tu vois. Mm-hmm. Mais par contre, il me disait qu'ils gardaient aussi les voitures pour le, pendant que les gens. Oh putain, je savais que. Je me doutais qu'il allait avoir du. Ouais, bah tant pis, hein. Attention. Foncé noir qui est sorti. Bonsoir. Bonsoir, ça serait pour une réparation, s'il te plaît. Elle cale pas, mais elle a, des petits problèmes de phare. Hein? Ok, ok. Là, bon. Ouais, on serait vite, quoi. Ouais, voilà, ouais, ouais, je pense que ça va aller. Petite tropousse. Ouais. Petite tropousse rallye, ouais. Bon, oh, yeah. N'empêche que mon permis, ça fait maintenant plus d'un mois que je l'ai. Félicitations. Au revoir, Wayne. Oui, bah, 5 mois alors. 6, oh là là, là, je te bats à plate couture. Bon, plus 7 permis, mais. Ouais, ouais. Alors que toi, c'est toujours ton premier, ça. C'est toujours mon premier, ouais. Quel honnête citoyen, tu. Bah, t'as vu ça? Tu peux me faire la facture à moi. À moi. Hop. S'il te plaît. Et voilà. Hop, et voilà, et merci beaucoup et bonne soirée et okay, bon courage. Bonne soirée, bon courage. Courage à vous. Ça faisait longtemps, pendant une semaine pratiquement, voire 10 jours, peut-être même 15 jours, il n'y avait pas eu de flicat et des trucs comme ça, et là ça fait plaisir de revoir qu'il y a un peu d'activité en ville, tu vois. C'est le cas de le dire. Bon, on va revendre où là du coup? Peut-être chez moi peut-être. Ouais, vas-y, ouais. Je vais aller faire de l'essence vite fait. Tu... Bah, je vais le faire à l'essence. Tu rentres ta voiture et puis on part chacun à côté, quoi. Ouais, est-ce que c'est raisonnable que je vende au couteau de chez moi? Mais toi tu vas un peu plus loin à la limite. Ouais. Mais y a pas beaucoup d'essence, je vais la faire. Mets ta ceinture, je vais la faire. C'est juste pour être pour plein. Ce matin, je suis parti de la PLS, j'ai même pas fait le plein. Ah bah quoi. C'est vrai? T'as ouais, t'as zappé. Là, du coup, je l'ai fait ici. J'avais plus qu'une barre de d'essence. Quoi. T'imagines quand même que cet avantage-là, là, bah, on ne l'utilise même plus parce qu'on reste toujours dans le sud. Ah oui, oui, de toute façon, c'est une certitude. Hein. Et bon, en fait, au final, vraiment le seul avantage sur lequel on profite vraiment, c'est la bouffe. Quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que le taxi, on l'utilise jamais. Et l'essence, on l'utilise très très peu. Que quand on va travailler, en fait, on utilise l'essence. Et au final, tu montes et tu redescends. Donc, ce que tu prends là-bas, en gros, tu l'as plaqué pour la PLS presque. Oui, bah oui. C'est... Après, si tu fais que travailler à la PLS, que t'es un bon civil, bien sage et tout, c'est super avantageux. Hein. Entre les taxis, la bouffe et l'essence. Parce qu'en fait, en gros, moi, au départ, les premières semaines où je faisais que ça, les deux premières semaines, je crois. Franchement, j'avais aucune sortie d'argent, mais zéro, hein, vraiment. Hein. Parce que l'essence, je la faisais tout le temps là-bas, je dormais à la plage, je faisais la bouffe tout le temps là-bas. Après, c'est vrai que quand on vit dans le sud, qu'on fait comme tout ce qu'on fait, nous, comme nous, on fait dans le sud, l'essence n'a pas une grande utilité à la PL. Ouais. Après... J'étais en train de finir ce que je me disais, mais c'est que quand on fait comme nous, on est dans le sud et qu'on fait tout dans le sud,
La PLS, on a, l'essence de la PLS, on a plus. C'est ça. Ça m'a coûté 75 dollars la carrosserie. T'en as sur toi, hein? Ouais, ouais. Je te lâche là. Ah putain, on est déjà là? Ouais. Ah, j'avais le nez dans mon téléphone. Ouais. Ok, bon bah tout. On a 22 mètres en plus. On peut perdre 20 mètres en plus, c'est 182 plus. 7000 balles. Ça, on se fait topé par sur comme l'autre. 6 à cause du. Ça fait jour déjà.
Ok, Diego est dispo dans 25-30 minutes. Ça commence, comme tu dis. On va voir. On va voir ce qu'il va se dire. On va voir comment. Comme je dis, hein, rien n'est garanti. Hein. C'est eux qui nous ont approchés deux fois, mais on a un petit peu rebuté la première. Enfin, pas rebuté, mais on leur a dit la première fois que pour nous c'était un peu trop tôt. Là, du coup, on a dit qu'on chier encore un peu. Donc, tu vois. Parce que c'est passé le. L'occasion. Parce que je pense qu'il y a une limite max dans les. Oh, merci pour le follow, Lunatica. Merci beaucoup. Sympa de ta part, c'est bien. Et allô ? Ah, Joey, ça va ? Oui, impeccable. Ok. Ça va ? Ouais, ça va, tranquille. Je viens de finir de revendre mes 10 là, donc. Bon, je reviens vers la maison. J'ai pas vendu, j'en ai vendu 6. J'ai vraiment vendu personne, mais je reviens quand même vers la maison. C'est pas très grave. Je suis en train d'arriver là dans 30 secondes. Ok, bah, tu me les donneras, je te donne l'argent, tu montes et je finis. Il y a Diego qui m'a envoyé un message, dispo dans 25-30 minutes. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? On risque ou on risque pas? Quoi, risque quoi? Bah de finir de vendre. Non, on n'arrivera pas en 25-30 minutes, c'est impossible. Ah non, pas tout, mais les 6 que t'as sur toi là. Je pense pas, non, on reprend la maison et sagement, je pense. Ok, ça marche. Et je t'ouvre tout de suite, je te vois, t'es au bout de là. Je t'ouvre, je te laisse ouvrir. Ouais, ouais, mais je t'ouvre, ça marche, à tout de suite. J'avais rangé ma voiture, je suis allé assez loin, mais j'ai croisé personne. J'ai croisé deux piétons qui m'ont acheté, 4 et 2. Par contre, okay, il faut remettre les 4 que j'ai mis sur le compte là. Ouais, ouais, mais justement, là, t'en as vendu 6, pas 4. 6, ouais, donc il faudra remettre les 4. Ah, d'ailleurs, il faut que je dépose. Attends, bah oui. Je vais déposer. Donc ça fait 798. Ouais, et du coup, toi, t'es à 84 dans ton stockage. Voilà, exactement. Je les ai reposés, hein. Ça, c'est fait. C'est ça, 84. Et combien chez toi, 60, c'est ça? Chez moi, j'en ai, il m'en reste 40. 40, bon, c'est bien ça. Pas mal, hein. 124, ça va se vendre tout. Ça se vend normalement tranquillement. Hein. Surtout que 124, on en a besoin de vendre que 104 en fait, en vrai, c'est ça. Hein. Oui, oui. Parce oui, qu'on avait 20 d'avance, si ouais, tu m'avais dit bien. Ouais, on est déjà à 13154, donc on n'a plus que 13 000 à vendre, quoi. 13 100 à vendre. Donc une centaine, ouais, c'est bien, c'est parfait, le compte est bon. Et moi, je peux t'en reprendre 10 et mon stockage sera plein. Et ton plaque sera plein, c'est ça? Ouais. Avec ce que t'as chez toi, tu parles. Hein. Ça fera 50, ouais. Ouais, donc ouais, t'en prendras ça. Juste 10 quand on ira se coucher. Bon, il y a encore tout. Hein. Ouais. Okay. On va attendre sagement parce que ouais, c'est éviter de se faire arrêter et de se retrouver en taule pendant qu'on doit voir Diego. C'est pas déconnant, t'as raison. C'est pas... Ouais, t'as raison. Je vais m'asseoir là comme ça. Hop, je te laisse. Le... Ah oui, c'est vrai. Ah bah t'aurais pu prendre le pouf, hein, vas-y. Hein. Non, non, moi vas-y, c'était. Vas-y. Bah non, c'est parce que. Ouais, non, c'est bien, vas-y. C'est prendre la forme de tes fesses à force. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais peut-être aller faire un petit café en attendant. Ouais, bah profite. Hein. Et. Bah écoute, au moins on va le voir comme ça. On va lui dire. Moi, je vais lui dire ce qu'on s'est dit. Hein, c'est que quand il nous a parlé le soir même, on était en train de se dire que finalement. On avait tous les deux déjà dans la tête le fait de rejoindre FP depuis un petit moment, mais on n'avait jamais vraiment décidé complètement, quoi, en fait. Comment dire ? On n'avait jamais vraiment pris en compte que c'était faisable, quoi. Je pense que le dire plutôt de façon, tu vois, de façon un peu plus subtile. Ouais. Dire que si on avait eu une proposition vraiment sérieuse de MP, que c'est vraiment
Ouais, que, en tout cas, c'était ceux que... Ouais, c'est ça, en fait. De toute façon, on va voir comment on va se tourner de la conversation, mais en vrai, de toute façon, je suis partisan pour toujours dire la vérité quand tu parles de choses comme ça, au moins, c'est simple. Et moi, c'est vrai que même quand on en a parlé il y a quelques semaines, quand on avait évoqué le sujet d'avoir un groupe, tous les deux à la tête, c'était MP qui était venu tout de suite. Hein. C'est ça, en plus. Donc, bon. On verra, on va voir. Peut-être une nouvelle aventure pour nous, hein. Bon, après, j'avais juré de jamais rejoindre une famille. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ça, tu le gardes pour toi. De toute façon, on en avait discuté. Oui, on avait discuté. Mais je pense que justement, le mois où on n'a pas été trop présent, je pense que tu vois, le fait de revenir, machin, etc. Ça change les choses, hein. Ça change les perspectives. C'est ça, en fait. Hein. On se dit, si on revient pour de bon et on fait ce qu'il faut, quoi, en fait. Putain, et tu vois, et puis devoir aller revendre de dope, quoi. Ouais, on sait pas, hein, on va voir. Hein. Ça serait bien de nous faire vendre de la dope pendant 2 semaines pour nous tester, on sait pas. Ouais, ces 2 semaines, je vais lui faire en une journée. Hein. Non, mais je pense que franchement, ils le font pas parce que, un, déjà, bon, c'est pas leur bise, ça c'est une certitude. Et en plus, le test de la dope, en fait, Diego, il l'a déjà fait, quoi, en vrai. On lui en a vendu combien de la dope pour lui? Des tonnes. Au moins 1000, hein, je pense. Hein. Attends, je prends le tableau de gain, là. Fais le code pendant ce temps-là, je vais me faire un café, je reviens. Vas-y. On me fait un petit café, j'arrive. Il n'y en a pas pour long. Peut-être, alors peut-être. C'est en train de chauffer, là, tranquillement. J'ai mis l'eau à chauffer. Ça fait du bien de pisser. Ah bah oui, hein. Quand il faut y aller. Hein. 800. En comptant pas cela, hein. Sans compter cela. Ouais, donc ouais, ça fera un bon millier de mètres qu'on aura vendu pour eux, pour Diego en tout cas, quand on aura fini cela. Une bonne tonne, ah non, c'est pas une tonne, c'est 600 kilos de mètres qu'on aura vendu. Bah, ça va, ouais. Ça va quand même. C'est quand même 130 000 en termes de valeur, hein, en salle. C'est ça, bah ouais. Donc je pense que le test de la drogue, il est good. Bah, puis je pense pas qu'ils vont nous tester sur la route. Non, je pense. Je sais même pas s'ils vont nous tester. En fait, ils vont peut-être nous faire bosser directement dans ce qu'ils font, mais avec surveillance, tu vois, genre pour nous apprendre le boulot. Nous faire faire des tas de petites bricoles pour eux, des tas de merde, des trucs comme ça, quoi, en fait. Ouais. On va peut-être être la bodiche pendant 15 jours, un mois, quoi. Ouais. Bon, ça, par contre, toi, il va falloir que tu serres les dents. Hein. Il va falloir que tu ailles contre nature, toi.
J'ai déjà commencé. Ouais. Ça va être dur, hein, je le dis. Ah bah je sais, je te connais un peu, bah toi. Parce que c'est pareil, on ne sait pas qui est le chef chez eux, on l'a peut-être jamais rencontré. Ça se trouve, il va nous parler super de travers, il va falloir que tu serres les dents fortement. Hein. Parce que je sais que t'aimes pas trop qu'on te parle de travers, toi. Non. On verra bien. Hein. Ça dépend ce qu'il dit, en fait. Et après, il n'y a pas que les chefs. Je sais pas, toi, t'as été un peu quand même aussi dans une famille, toi, en fait. On va pas dire que c'est plus une famille, c'est plus une coopérative, si tu préfères. D'accord, ouais, un peu comme du côté de chez mon père, quoi. Mais du côté de chez ma mère, moi, j'avais des gars, tu vois, ils étaient, comment dire, affranchis, entre guillemets, et eux, ils pouvaient parler de la merde à tout le monde, hein, même à moi, hein, parce que... et tu pouvais rien dire, tu pouvais même pas lever un petit doigt, parce que tu te faisais... enfin, tu te faisais tuer, quoi, en fait, si tu ne faisais que répondre, quoi. Mmh. Et eux, il y en avait... Et dedans, t'en avais des cools. Et t'en avais des vrais connards, quoi, qui se faisaient un plaisir de te rabaisser tout le temps, quoi, en fait. C'est le genre de gars que j'aurais attendu au coin de la rue, quoi. Ouais, mais là-bas, tu peux... dans ce genre de truc, tu peux pas toucher un gars comme ça si t'as pas l'autorisation des grands chefs, en fait. Sinon, t'es mort, quoi, en fait. Alors, il est intérêt à que ça se sache jamais. Ah bon, jamais, jamais, quoi. Bah, si c'est pas vu, pas pris, hein, Joey. Ça... Et moi, tu vois, je suis du genre, hein, quand je fais des conneries, j'aime bien qu'on sache que c'est moi. Je trouve ça... Ça dépend des conneries que tu fais. Et voilà. Bah, ça m'a attiré le fait d'être ici, moi. Tu vois, c'est mon problème. Hey. Wizard News est indisponible pour le moment. Merci de votre compréhension. Hein. Donc, c'est Wizard News qui annonce qu'il va être indisponible pour le moment, alors qu'ils sont en train d'annoncer, faire passer une annonce. Ouais. Je vois, c'est marrant. Yelena Limanov. Donc c'est bon, ton truc de téléphone est réglé. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais. C'était toi qui avais fait une conne. Oui. Ok. Ah oh, putain, mais vivement que j'ai plus ces alertes à la con. Hein. Je reviens, je vais chercher mon café, j'arrive. Vas-y. Oula, je t'ai poussé, pardon. Je te repousse un peu. Je te repousse un peu. Oh, t'inquiète, une fesse, j'en ai hop, assez. Voilà, hop. Putain, tu fais ça bien. Hein. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude d'attendre. Bah oui, hein, écoute, hein, voilà, ce sera peut-être une des dernières fois où on attendra comme ça. Oh, alors là, détrompe-toi, mon vieux. Je pense qu'on va beaucoup, beaucoup attendre. On va peut-être nous poser dans des coins comme ça. On va lui dire, bouge pas de là, je reviens. Et on va peut-être attendre 2 heures qu'on vienne nous chercher. Pour nous dire, bah, finalement, on n'a pas besoin de toi, tu peux rentrer te coucher. Ça se trouve, on va faire que ça tout le temps. On va peut-être nous donner un café à tenir dans la main en disant tiens moi le café je reviens et tu devras tenir un café pendant 1 heure. L'avantage oui, c'est ouais. Toujours l'avantage qu'on a, c'est qu'on est à deux en fait. Ouais, ouais. Par contre on sera plus que tous les deux quoi, on sera, non, voilà. Dire, mais on sera à deux quoi qu'il arrive. On sera à deux, donc ouais, on sera à deux. Pouvoir soutenir l'un l'autre. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Si y a des bah, quoi qu'il arrive, je te le dis aujourd'hui, ouais, moi ça sera différent avec les autres qu'avec les autres, hein, quoi qu'il arrive. Si tu me dis quelque chose qui se passe dans le groupe et que
ça implique les joueurs du groupe, toi je te croirais toujours plus que les autres. Hein. Bah, la même. Hein. Parce que nous on aura vécu tout quoi. Quand t'es arrivé, ça faisait quoi, 15 jours que j'étais là. J'avais commencé à faire les conneries que depuis une petite semaine à peu près, mais on a pratiquement tout fait, hein, les quatre secours ensemble depuis. Bah, on a tout fait ensemble. En fait. Ah, ouais, bah, c'est ça. Ouais. Je dis à peu près parce qu'il y a une semaine où j'avais fait avec Will, quoi, en fait. Avant que t'arrives, mais après, dès que toi t'es arrivé, quoi, 2-3 jours après que tu sois arrivé à la PLS, on avait déjà commencé à faire les conneries ensemble. Hein. Ouais. Et Will, on va dire une semaine et demie, 2 semaines après, on l'a plus. Ah bah c'est ça. Ouais, c'est ça. Une semaine après, 15 jours max. Bon, une semaine après, je pense, 10 jours max. Moi, déjà à la fin, il était. Ouais, déjà à la fin, il était pratiquement plus. Très souvent là. Quoi. Même quand il revenait, il avait 2-3 jours d'absence. T'avais fait quelques bracos avec lui? Ouais, on avait fait quelques voitures aussi. Après, il était aussi. Il allait vite aussi pour vendre la dope. Hein. Lui, il partait, tac-tac, il revenait, paf, il revendait de la dope à une vitesse incroyable aussi. Hein. C'était un bon gars, le Will. Hein. C'est dommage qu'il soit dispersé, mais c'était un bon gars. Hein. Plus jeune que nous, tu vois. Ouais, plus jeune, mais par contre, je pense que tu vois, dans l'action, ça aurait été quelqu'un sur qui on aurait pu compter, en fait. Ça, j'ai bien vu, il m'a allongé. Non, mais même je l'ai vu avec les flics et tout, tu vois, avec les CP. En plus, il aimait bien sortir son flingue rapidement, quoi. Tu vois, il avait toujours. Lui, il partait toujours avec son flingue. Il n'y a rien à battre. Et je pense que c'est ce qu'on va devoir faire, de toute façon. Ah, bah, de toute façon, je pense que si on rentre dans un groupe, après, bah, on lâchera plus jamais de flingue. Je pense que ça va être armé tous les jours. Hein. Non, mais je veux dire, même là, tu vois, même avant qu'on. Oui, mais maintenant, oui, en plus. Je sais pas comment ça va se passer là, mais si on avait continué, de toute façon, moi j'aurais commandé flingue au Atome. Et on serait toujours sorti chargé, quoi. C'est ça. Parce que mine de rien, en vrai, 600 balles le flingue. Non, même pas 350 balles le flingue à la fin chez Atome. Ce qu'on gagne. Putain, moi je suis déjà bien remonté là, putain. 97 200, allez. Toi, ça commence à aller bien, toi, non? Je suis à 35 000. Voilà, t'as jamais été aussi bien. Hein. Qui m'a parti à de Cabois ou... Oui, bah oui, parce qu'avant, ce que t'avais en banque, c'était sans compter ce que tu devais. Là, c'est 35 000 à toi, ça, zéro de dette. Hein. Et une voiture dans le garage. Enfin, deux voitures dans le garage, une moto, un appart. Mais n'empêche, tu vois, toi, tu m'as avancé 78 000 quand même, mine de rien. Ouais, bah oui. Et ce qu'on a mis dans les apparts aussi, après, hein, il faut compter, il y a une fortune hein, dans ce qu'on a mis quand même. Hein. J'ai pas fait le compte, parce que j'ai jamais tenu le compte de combien je mettais à chaque fois, mais je pense qu'il doit y avoir pour plus de 200 000 dans le coffre. Et ouais, une 50 000 dans le stockage. Hein. On a bien bossé. Hein. Ouais. Bah, jusqu'ici, on s'est bien démerdé. Bah, c'est ça, je pense que... Tu vois, là, au jour d'aujourd'hui, je pense que, tu vois, ce qu'on aurait continué, ce serait assez vite devenu routinier, en fait. Ah bah, on aurait atteint une vitesse de croisière rapidement, hein, rien. Parce que, comme je te disais, on a eu l'embrouillio, là, dans la cam qu'on vendait à BWB, en même temps à VB, après pour Diego et pour VB, tout ça. Mais là, on serait arrivé à avoir nos 400 par semaine tranquille, nos ammunition, dizaines d'ammunition par semaine, tu vois, des trucs comme ça, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et on aurait fait entre 50 et 100 cas par semaine, tranquillement. C'est quoi. Ce que j'allais dire, on se serait fait du pognon, tu vois, mais je pense qu'on se serait vite fait chier, en fait. Ouais, enfin, après, je pense que... Tu vois, Atome, je sais pas si tu te rappelles, mais Atome, il nous avait un petit peu lâché le même discours qu'Ava à un moment donné, quand même. Hein. Oui. En gros, je suis pas sûr que si MP nous avait pas proposé, on n'aurait pas eu d'autres propositions, tu vois. Je pense qu'Atome, si on avait forcé un peu, tu vois, en termes de caisse et compagnie, je pense qu'il nous aurait aussi fait la même propale. Quoi. Et très franchement, ça m'aurait pas déplu, Atome, hein, non plus. Ah non plus, ouais. Mais bon, comme MP, bon, déjà, c'est les premiers, et en plus, comme ça nous plaisait bien. Et puis, toujours pareil, Diego, que ce soit Diego ou Ava, ils ont toujours été corrects. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est par contre, on peut pas dire le contraire. Je sais pas si ça sera le cas de tout le monde là-bas, parce qu'on connaît personne en fait, en vrai. Hein. Non, on connaît quand même Diego Ava et Angelo, mine de rien, même si. Ouais. Voilà. Ouais, Je pense pas qu'on ait beaucoup d'Annie Croche avec lui. Quoi, mais...
On verra bien. Ouais, bah oui. Oh, regarde, je délire tout seul, quoi. J'attends. Tu connais ma patience. Tu connais ma patience légendaire. J'adore attendre. C'est un truc, c'est, je pense que c'est top 1 dans ma liste des choses que j'aime faire. Bon, après, c'est, si c'est vraiment eux qui ont fait... Ah, je pense pas, parce que je pense que dans ce cas-là, ils nous auraient jamais appelé, quoi. Enfin, ils nous auraient jamais contacté ce soir, quoi. Ouais. Ça va être le bazar quand tu fais ce genre de choses. Hein. Sauf s'ils en sont tous sortis au final. Ouais, mais même après, t'as des trucs à faire. Je pense à des briefs, je sais pas, ranger des trucs. Ceci, cela, quoi. Pire chose en vrai, c'est clair, hein, collègue, c'est clair, pire chose. Mais bon, de toute façon, c'est. Ben, j'ai dit, alors la criminalité depuis qu'on fait PM et même tout le temps, en fait, c'est le truc que tu fais le plus, c'est attendre, en fait. C'est vraiment incroyable, t'attends de pouvoir les vendre, t'attends d'aller pouvoir aller piquer des caisses, t'attends de livrer, t'attends d'aller te faire livrer. Quand tu fais une amulation, t'attends pour que. Le truc se débloque, après t'attends que de te remplir en sac, t'attends que les flics te tombent. Tu passes ton temps à attendre en fait. Alors, quand tu fais la PLS, t'es tout le temps en action pratiquement. Et comme je disais avec Ross, nous, la vie civile sur GTA, c'est pas trop d'autres trucs quoi. C'est, en vrai, je me dis, si jamais un jour je devais CTR, Joey Brennan, je pense qu'après je testerai policier quoi. En fait. Ah putain, lacrymogène, ils sont sérieux. Et après, ça sera plus le cas par contre. Parce que là, c'est vrai qu'on est payé à rien foutre. Et après, on sera au chômage. Ils sont jamais à l'heure. Oui, oui, ah oui, ça, il y aura plein d'activités qu'on pourra faire sans personne, ça c'est clair. Serait-ce que faire les baraques. Baraques, tu peux le faire en solo, tu peux les faire à 2-3, tout ça.
Quand on va faire les baraques, en fait, c'est... Donc, tous les groupes ont des activités à faire dans des lieux, que ce soit aller vendre de la dope, braquer les maisons, les trucs comme ça. Mais en fait, c'est tu déclenches ton travail que le PNJ te demande. Et en fait, tu as des zones qui apparaissent devant des appartements. Des zones bleues comme si c'était pour rentrer dans un appart. Et dans ton GPS, on te donne l'endroit où aller. Et quand tu arrives, tu te mets devant. Tu fais comme un braquage de boutique, quoi. Ça sert donc à une barre de temps. Et à la fin de cette barre de temps, tu reçois des objets. 25, 30, 60, je ne sais pas combien. Je ne connais pas. Donc ces objets, c'est des babioles. Hein. Ces babioles-là, tu les prends, tu les poses dans ta voiture et tu continues. Quand ton coffre est plein, tout, tu les ramènes et tu les déposes chez toi. Et après, je ne sais pas ce qu'ils en font après. Ils doivent les transformer en salle, j'imagine. Donc ça, c'est le côté des babioles. Après, ta activité, ça sera de récolter les sacs que les PM font. Parce que ça, les sacs que les PM volent en ammunition ou en magasin, bah, ils leur rachetaient. Racheter leurs babioles aussi. Et après, il y a aussi toutes les mallettes de Flika et de banque, enfin de Pacifique et de Casino, à racheter aux groupes qui font les... Là, c'est aux groupes qui font les Flika, Casino et Pacifique. Mais donc, les cambriolages de maison, c'est considéré comme si tu rentrais dans la maison et que tu volais tout ce qu'il y avait dedans. Quoi. En fait, c'est une activité que tu peux faire en solo, même le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, tu peux le faire à n'importe quelle heure. Tiens, regarde ton intranet, si t'es là. T'es là, Joey? Oui, j'étais en train de regarder. Tu peux être rassuré à ce niveau-là, quoi. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Ok. Ça fait combien de temps là qu'on est là 28 minutes qu'il m'a envoyé le message. Putain, on aurait pu aller revendre hein, quand même. Eh bah oui, mais comme tu disais, tu as eu raison quelque part. C'est que si jamais on se fait pincer pendant qu'on est revendre et qu'on se finit en cellule pour une raison, parce que tu tombes sur un flic à la con et tout et qu'on rate le rendez-vous, ça aurait été chiant quoi en fait. On bute le flic, bordel de merde. Hein. Bah ah, oui. On le zip et on le fout dans l'eau quoi. Tiens. Parfait. Pas de preuve, rien du tout. Franchement, il nous reste une centaine à vendre. Ça, on fait ça demain tranquille, hein, en vrai. Oui, je dis ça en rigolant, bien sûr. Bon, je le ferai quand même, mais je dis ça en rigolant. Oui. Je m'inquiète pas pour toi. De toute façon, c'est lui qui m'a recontacté. Hein, j'ai pas relancé, c'est lui qui m'a recontacté. Il m'a dit 25-30 minutes. Ouais. Je pense qu'il va pas nous oublier. Non, je pense pas non plus. Hein. Après, ils ont peut-être eu un. Après, s'il a un empêchement, voilà, il a un empêchement, c'est pas grave. De toute façon, généralement, quand ils ont un empêchement, après, ils nous envoient un message en disant bon, bah, finalement, ce sera pas maintenant. Si c'est pas maintenant, c'est demain. Hein. T'es là demain en plus. Et justement, avec ce qui reste avant, peut-être que demain après-midi, je serai là, j'aurai le temps de faire mes 50. Si toi, tu fais 50, moi, j'ai 50 à faire aussi, c'est tout. Hein. 50, ça va vite. Ouais, c'est pour ça, comme ça, on est tranquille. En une heure et demie, en y allant tranquille, donc, c'est fait. T'auras 64 tours, en fait, en vrai. À vendre ? Ouais. Ou qui aura... Non, mais en fait, il n'y en a que 54 à vendre. Pourquoi ? Bah, je croyais qu'il nous restait une centaine à vendre pour... Bah alors, on en a vendu 81. Hein. Ah oui, 81, d'accord, ok. 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 Donc il en reste 119 à vendre. C'est ça. Enfin, moins, parce que si on veut arriver au 26600, il va rester 2-3 en plus, quoi. Mais bon. Il y a 13100,
reste 102 à vendre. Il nous en reste 101 à vendre. 101, c'est pas tout à fait bon. 102, c'est bon. Ouais. Après, je vendrais peut-être un peu de weed. Bah, en vrai, pour maintenant, ta weed garde-la. De toute façon, la weed, c'est pas perdu. Hein. Ça prend pas de place. Ça pèse pas lourd. Ça pèse 25 grammes le sachet. C'est un truc. Je pourrais peut-être. On aura besoin d'en fumer un d'ici dans pas longtemps. Hein. Ouais, ça se trouve, on aura besoin de se défoncer la gueule à la weed. Quand on sera dégoûté. Bah, le soir, peut-être après le boulot, on viendra se fumer un wedge. Quand on aura un bar. Pourquoi pas, hein. Allez, Diego. Montez-lui. Stations essence sont bien pleines hein, quand même, hein. C'est bien. Hein. En même temps, ils n'ont plus besoin de nous à la PLS. Travail qu'on faisait pour eux. Ouais, bon, franchement, la PLS était prévisible que ça nous aurait saoulé à un moment donné. Oui, oui, oui. Après, bon, les gros, ils ont l'air de s'éclater justement à faire ça, machin, etc. Donc, oui, bah, de toute façon, ça c'était prévisible, on l'a fait pareil au début. Hein. Oui, c'est vrai. On a fait la même, hein. Tiens, on va aller jusqu'à la banque, vite fait, là. On va avoir des sous à poser. Okay. J'ai rien d'illégal sur moi. Casse pas tout chez moi. Hein. Ouais, c'est bon. Casse pas tout chez moi. Hein. Bah, j'avais coincé ma chaussure, bordel. Putain. Tu sais ce qu'il me disait, le mec du Beniz ce matin là, ouais. À chaque fois il me demande si c'est une sentinelle normale ou classique. Ouais. Et je dis bah comment ça se fait que vous arrivez pas à vous y repérer. Il dit on en voit tellement peu des sentinelles classiques. Ah bah oui, oui je te l'ai dit moi, je l'avais dit, hein. Je t'ai dit que la sentinelle classique c'est quelque chose d'hyper rare. Hein. Bah, tu sais quand tu vois que la seule sentinelle classique qui était pas full, elle se vendait bien 100 ou 120 000 là. Ouais. Et je suis remonté très très loin dans le classifier hein, quand même. Hein. Et t'en vois pas beaucoup dans les rues, hein, vraiment, en plus ça. C'était oui, classique. Bah, j'en croise pas, moi. J'en ai déjà croisé une. Il y a des trucs sur le toit, machin, tu sais, des bagages, machin, ouais, etc. Ouais. Il y a le vélo de Monique. De qui? Monique. C'est le vélo de Monique. Ah, c'est... Oui, d'accord, Border, là-bas. Hi there. Hi there. Hi there. Pam 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 pam.
Ah oui, merde, j'ai utilisé ton image pour mon YouTube. J'ai mis toutes mes vidéos YouTube pour pas les perdre, parce que la première saison, je l'avais perdue sur Twitch, parce que t'as qu'un certain délai. Alors du coup, j'ai réuni les vidéos de la saison 2 sur YouTube. Et donc, en image de YouTube, je viens de le faire, là, j'ai fait ce week-end. Le véhicule, le flic là, qui était passé devant nous, c'était un banalisé, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'avais les yeux j'ai derrière. Même mis le lien, j'ai même mis le lien comme ça, toutes les vidéos qui ont plus de 30 jours resteront sauvegardées sur YouTube. Quoi, en fait. Là, j'ai mis tous les épisodes de la saison jusqu'à l'épisode 27, je crois. Et je vais faire des playlists saison 2, saison 3 et ainsi de suite. Et donc, du coup, j'ai ton autorisation là, pour utiliser. C'est un cadeau. Voilà, donc comme ça, je vais utiliser en bas. Merci beaucoup, Abert. Enfin... Ouais, tu vois, les lumières, regarde par la fenêtre, les lumières, tu vois, c'est plus coloré, c'est texture, ça va. Joli à part la fenêtre, là. Oui. Ouais, c'est beau, hein, c'est le soleil qui tape et tout, c'est magnifique. Hein. Les couchers de soleil sont pas mal. Ouais. On se fait chier, hein, parce qu'on parle coucher de soleil, c'est qu'on se fait chier quand même, hein, bordel. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon. On va dire que c'est pour la bonne cause. Quoi. J'espère. Il fait beau chez toi. J'ai l'impression qu'il y a des nuages gris qui s'amoncellent. Ça... Ah bah, tu sais, déjà là, c'est clair que je vais peut-être devoir déménager. Hein, ça. Ah, putain, première sirène que j'entends depuis tout à l'heure. Là. C'est bien qu'on va plus tenir, on va se dire allez vas-y on en reprend 10, on va revendre et puis ouais, c'est ça. On connaît la chanson, ouais. Ouais. Après moi je t'avouerai que ce soir je vais pas faire long feu. Hein. Ouais mais moi non plus, si jamais on fait le rendez-vous avec Diego et tout, ça bon. Ouais. Mettre un autre jour. Hein. Ouais, et puis je te dis, moi, si demain après-midi, je suis vraiment là comme je l'espère. Ouais. Dans l'après-midi, les 50 seront largement vendus. Hein, j'aurai chez moi. Soit, toi, il en restera plus que, tu vois, trois allers-retours. Et après, on sera tranquille, quoi. On n'aura plus de visuel du coup sur les stations et tout. Je crois qu'on peut voir les stations publiques, je crois. Hein. Quand même. Ah oui, il n'y a que les entreprises qu'on voit. Parce que c'était une des questions du diplôme, en fait. Ouais, je m'en souviens même plus. Ouais, il n'y avait que les entreprises qu'on peut pas voir. Hein.
T'as combien en salle, toi? 8366. 4700. Est-ce qu'on ne reprendrait pas un peu chez toi pour enlever? Non, non, en fait... Moi, non, oui, oui, toi, tu vends, t'as la place pour les 50, c'est ça? À la limite, on peut faire ça. Ouais. On en prend 10, on va chez moi, on attend chez moi. Ouais, ok. Je vais en prendre 4 et au pire, j'irai vendre peut-être chez toi. Ouais, bah 4, ça passe trop. Ouais. Tu me lâcheras à la station-service. Ça marche. T'as les clés, hein, toujours, hein? Ouais, je pense, ouais. VRA? Ouais. Ouais, c'est ça. On prend 10. Soit fermé, vas-y, rentre. J'avais ouvert en fait. Oui, j'ai vu. Lâche en bas de ta rue. Ouais, bah la pompe à essence. Bah ouais, après la pompe à essence. Juste après la pompe à essence. Ah, j'ai Diego qui m'appelle. Oui, allô? Oui, tu te retrouves au même endroit, ça te va? Ouais, c'était à l'hôpital, ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah, on y est. Donc, vas-y, bah, que tout de suite. Arrive. Tout de suite. Ok, vas-y, passe tes 4. Je vais les déposer chez moi et puis je ferai. On verra après, ouais. Je te les donne. On discute. Ok. Bon, elle a bien fait de venir chez moi. Ouais. C'était à l'intérieur, sous le parking. Ouais. Pour elle, à gauche, là. Ouais, elle est à gauche, je sais, mais c'était dans le parking. En fait, là. Ouais. Et stationné. Il y a quelqu'un qui me demande de raccrocher là. Non, mais... Ah, allez, vas-y, raccroche. Tu devais... C'est une blague ou quoi? Tu te fous de notre gueule ou quoi là? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes qui? Je suis Joey. Et ouais, c'est Ross. Ah, j'ai rien à dire. Vous faites quoi là?
Je vais voir quelqu'un. Qui ça du coup? Qui? Les gens de chez MP. Ok, on s'en fout. Sirène. Oui. Ouais, il y a des gars qui ont débarqué derrière nous quand on est rentré à l'hôpital. Des gars. Oui, des révoltaires. Ouais, c'est, bah, c'est ça. C'était des bêtes. Ils sont repartis ou c'est... Ouais, ils sont repartis, ils ont dit ils s'en foutent. Eh bah vas-y, on arrive. Viens tout de suite. Ah ben, je les ai même pas vus venir. Hein. Bah, je sais même pas d'où ils sont sortis. C'est... Ah ouais, ouais, bah, ils nous ont vu rentrer, ils sont venus derrière quoi en fait. Ouais. Et ils devaient spotter un endroit, ils devaient attendre quelqu'un, je pense. Ouais, ouais. Mais de toute façon, là, ils ont dit, là, on s'en fout. Et je croyais que c'était eux, que quand ils sont arrivés, j'ai même pas fait gaffe que c'était les révolteurs, c'est pour ça que j'ai répondu. C'était DP, The Place. Je fais le move chez moi. Ok, entre, ok. De toute façon, on avait rien sur nous. Ça aurait été con qu'ils aient pris de kidnap, quoi. Je vais prendre mon pistolet de combat. Tu vois. Ah putain. Voilà, bon, c'était pas la peine de le sortir. Hein. Ah non. Et les mecs, chacun, ils avaient un FAP. Mais moi, j'ai répondu avant qu'ils sortent. Hein. J'ai pas répondu quand ils étaient autour de moi. Attends. Ouais, DP, c'est Duck Place, c'est les vendeurs de les marchands d'armes et qui ont des chaussures blanches en fait. Il m'a dit qu'il arrivait quand même. Ouais. Il a dit on s'en fout, j'arrive. Et eux aussi, ils ont dit qu'ils s'en foutent. On va pas faire un échange ni quoi que ce soit. Donc. Donc, Duck Place, pour te dire, c'est ceux qui sont installés là, donc dans les docks, hein, c'est pour ça qu'ils s'appellent Duck Place. Ici. Ils sont installés ici, cette zone. Donc là, tu as le droit d'aller dans ces docks là, ici. Si, toute cette zone-là, t'as pas rosé. Et lui, son vendeur de gendarme. En fait, il est pas tout seul. Arrête. Ok. Et bonsoir. Et bonsoir. On voulait te voir par rapport à la conversation qu'on a eue l'autre fois. En fait, pour être très clair, on a discuté tous les deux. Et on s'est rappelé une conversation qu'on avait il y a quelques semaines. On se disait, si un jour on voulait rentrer dans un groupe, quel groupe on aimerait... si c'était possible, quel groupe on aurait aimé, en fait. Et à l'époque, on avait répondu tous les deux, vous, quoi, en fait. Et Ava nous avait parlé la dernière fois. On avait dit que, bon, nous, on était un peu jeunes. C'était un mois et demi qu'on était là. Bon, maintenant, ça fait plus de temps. Quand tu nous as reparlé l'autre fois, on en a discuté et en fait on s'est retrouvé à se dire que en vrai ça nous plairait bien de bosser avec vous. D'intégrer votre famille. Voilà. Donc on s'est dit plutôt qu'attendre encore et réfléchir encore alors que c'était quelque chose qu'on avait vraiment déjà en goût. Ok. Descends, tu veux dire quelque chose peut-être? T'as des questions, je pense. Vas-y. Donc du coup, oui, donc ouais, je pense que la personne en a fait un peu cogité de tout dire. Est-ce que ça serait pas le moment, c'est ça du coup? Bah oui, parce qu'en fait, nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on bosse dans ce qu'on fait. On le fait, je pense, plutôt bien. On a travaillé pour plusieurs groupes et je pense que personne ne nous a jamais reproché quoi que ce soit. Or, on est plutôt du genre à travailler bien et tranquillement. Et s'il y avait eu un groupe qui serait approché, qui nous aurait approché, on aurait voulu que ce soit vous, en fait. Et vous l'avez fait. Ava nous avait déjà parlé une fois il y a quelques temps. Toi, tu nous as parlé et en vrai... Non, on se dit que c'est peut-être le bon moment. Ok.
Moi, du coup, comme je t'ai dit, hein, je t'en trouverai la porte. Maintenant, il faut l'ouvrir. Moi, je suis pas le seul à décider non plus. Oui, bien sûr. Donc, moi, maintenant que tu me dis que tu es clairement intéressé, je vais faire le nécessaire de mon côté, voir ce que les autres en pensent, voir aussi ce qu'on pense de vous. Et bien sûr, on va sûrement voir aussi ce que vous valez vraiment. Parce que certes, oui, vous allez travailler, mais il y a plein de trucs, plein d'autres trucs. Ok. Donc après, si vous êtes dans cette optique de, rentrer chez nous, je pense qu'on aura des questions à vous poser. Je pense que certains voudront aussi vous voir. Et on verra comment ça se passe à partir de ce moment-là. Après, si tout se passe bien, je pense que pas de, personnellement, pas d'entrave à ce que ça arrive. Après, c'est logique, hein. Faites pas rentrer n'importe qui non plus. Hein. N'importe qui, n'importe comment, on est bien d'accord. Bah ouais. Pareil, il y aura des trucs sur lesquels on vous préviendra. Parce que comme on en avait parlé aussi, Joe, avancer, ça peut se faire. Reculer, c'est bien plus compliqué. Non mais ça par contre, je t'en avais déjà parlé, moi j'en suis totalement conscient. C'est ça, hein, ça c'est... T'avais dit hier ou avant-hier, je sais plus, ouais. Que prenez votre temps sur c'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on avait dit tout de suite à Ava à l'époque, enfin moi personnellement, je préférais pour l'instant encore, tu vois, bien réfléchir, bien connaître l'île, bien connaître les différentes entités de l'île, avant de quoi que ce soit, quoi. Maintenant, on peut dire qu'on a déjà un peu plus, ça fait plus d'un mois et demi maintenant, donc un mois et demi, tu connais, hein, il s'en passe beaucoup des choses, ça va vite. Et en 3 mois, je dis pas qu'on a fait le tour, hein, et on fait jamais le tour de rien, mais je pense qu'on a testé pratiquement tout ce qui se fait en bise de petites mains, hein, évidemment, hein, de petites mains. Et voilà quoi. Bien sûr, on a rencontré beaucoup de gens, on a travaillé pour beaucoup de gens. Et... Question, parce que vous étiez avec d'autres personnes, Travailler avec d'autres personnes, oui et non. Honnêtement, une fois qu'on a eu la proposition d'Ava, peu de temps après, on a eu une proposition de BWB. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. Ok, donc voilà. C'était sans plus, quoi. Voilà, tout simplement. Sinon, essentiellement, tout ce qu'on fait, c'est jusqu'à présent, ça a toujours été à deux. Après, pour être totalement honnête, il y a un autre groupe aussi qui nous ont un petit peu parlé, comme Ava nous avait parlé à l'époque. Et à l'époque, bon, on avait donné un peu la même réponse, c'est que, en gros, qu'on n'était pas prêt pour, c'était donc à peu près la même période, qu'on n'était pas prêt pour eux pour rentrer dans un groupe, quoi. Voilà. Atom. Ouais. Ok. Ça, des questions ou pas? Oui, deux. Alors la question a peut-être déjà été posée, moi j'ai pas la réponse. Pourquoi nous du coup? Alors pour ma part, de tous les groupes que avec qui j'ai pu discuter, voir, machin, etc. Honnête, c'est vraiment honnête ce que je dis, c'est vraiment pas caché. Il y a rien de caché là-dedans, c'est... À chaque fois qu'il y a eu des rendez-vous avec vous, comme là maintenant, j'y vais sans crainte. Dans le sens où je sens que vous êtes des personnes droites. Et avec qui, même si je parle pas beaucoup, un peu plus ce soir, mais avec qui j'aime bien converser. Et aussi l'attitude pro, quoi. Quand ça bosse, ça fait sérieux, quoi. C'est les rendez-vous qu'on a eus sont toujours, que ce soit avec vous, même avec les gens avec qui vous travaillez, ça a toujours été propre, ça a toujours été carré. Les rendez-vous donnés, voilà, dès qu'il y avait un problème, on avait un message en disant pas maintenant, plus tard ou demain, et c'était toujours propre, quoi. Enfin, ça fait pro. C'est pas le cas de tous les groupes, hein.
l'heure actuelle, vous ne travaillez pas uniquement pour nous ? Non. Alors, dans le biz de ce que vous faites, il n'y a que pour vous qu'on bosse. On aime bien que ça soit un peu... Enfin, je veux dire, on aimait bien travailler pour un seul groupe pour chaque biz, en fait. Mais c'était notre choix, nous. Hein. C'était pas le choix des groupes. Oui. C'était juste parce que c'était plus simple. Tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on faisait en babiole et en sac, c'était pour vous. Tout ce qu'on faisait en voiture, c'était pour un groupe. Tout ce qu'on faisait en dope, ça en était pour là. Putain, ça faisait longtemps, ça. Ah, on est au meilleur endroit, tiens. Ah, ouais, super, mec. Ouais, c'est ça, il était à l'abri. Ouais, si ça s'écroule, on n'est pas à l'abri. Ouais. Bon, les piliers ont l'air solides quand même. Ça va. Ouais, donc voilà, donc nous, on bossait pour chaque groupe. On a bossé, on les bossait uniquement pour eux. Donc, voilà. Mais on a testé d'autres groupes. Et après, on avait choisi le groupe pour lequel on voulait travailler dans chaque business. En fait. Je vous cache pas que j'ai livré Brokers une fois, au tout début. Mais bon, ouais. Et La raison, oui. Je disais que ça s'était pas super bien passé avec eux. Mais bon, la commande qu'ils m'avaient faite, elle a été livrée en temps et en heure, quoi. Ok. Eh bien, justement, tu as dit quelque chose d'intéressant. Alors, excusez-moi, je ne sais pas vos noms, mais la personne avec le t-shirt, juste avant. Ouais, c'est que... c'est Ross. Ross. Sérieux, ça. On te semblait paraître des gens droits. Ouais. Alors, comme t'as dit Diego, ils ont ouvert une porte. Mm-hmm. Au moment où la porte, elle sera complètement ouverte, bah, je te demanderai d'être tout aussi droit et de prévenir les gens avec qui tu bosses que tu ne bosseras plus. Ah, mais ça... C'est ce qu'on a... on s'était déjà dit ça, en fait, qu'on ferait... Ouais, c'est ça, en fait. Contacterait les gens qui s'occupent de nous et qu'on leur dirait bah clairement, ça y est, on bosse plus pour vous parce que... Ouais. Tu pourras leur dire tous les tenants et aboutissants. Ouais. Je pense que je suis bah moi, c'est dans la même optique. Il faut être clair avec tout le monde. Il n'y a rien de plus désagréable que de trouver une petite bague qu'on a du jour au lendemain avec une tenue d'un groupe sans avoir été prévenu. Ouais, je comprends. Pas correct. Ah non, mais c'est sûr et certain. Mais ok. Non, bah j'ai pas de questions pour l'instant. On verra à l'instant T. Ça marche. Et en tout cas, comme l'a dit Diego, on a bien pris votre souhait en compte. Et on revient vers vous rapidement, je pense. Très bien. Pour nos affaires, je pense, Diego, demain, ça sera good. Oui, ça marche. Ok. Voilà. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu, comme d'hab, t'appelles, y'a pas de problème. Ça roule. Et bah, c'est bon pour moi. Bon, bah, bonne soirée à vous. Et bah, bonne soirée à vous. Yep. Là, t'as vu, j'ai fait plus de 3 phrases hein, quand même. C'est bien. Bon, ça c'est fait. On verra bien. Ouais. Redonne-moi les 4. Ah non, tu les as posées chez toi. Tout est chez moi. Je vais les reprendre sur moi et je vais te laisser chez toi. Comme on avait dit. On fait comme d'hab, c'était là. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, je veux toujours que t'habites un peu plus loin, toi. Ok, du coup, t'as posé le sale chez toi. Yep. Ça te pose pas de problème, le sale que t'as posé ? 7000, tac, tac, tac. Bah, si tu prends les 4 et que tu déposes chez toi, ça va aller. Ok, je t'attends. Bon, bah voilà, on a lancé le petit caillou. On a rencontré Drist. On fait comme d'hab.
C'est-à-dire, là j'en ai pris que 4. Bah tu me les donnes. Ah oui. Je te laisse là. Ah tu oui. Tu m'as dit oui, que tu voulais te coucher après donc. Ah mais. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, genre, ouais. Fais comme ça. Et après, comme d'hab. Yep. Attends, si putain, qu'est-ce que je fais moi, n'importe quoi. C'est ça, c'est le. Voilà. Ok, comme ça, toi, t'as tout ce qu'il faut chez toi pour vendre. T'as les 50 et t'as la place. Ok. C'est ça. Bon. Toutes. Ouais, toutes, ouais. Bon, ben on verra bien. Hein. Ouais, c'était le chef. Dristan, le gars qui était à gauche. Que... Oula, ça retremble. Putain. Deux fois d'affilée. Ouais, c'était le chef Dristan. Nous, on l'avait déjà vu de loin quand Tavin nous avait parlé la première fois. Donc, il était déjà venu avec Ava. Et. Là, en fait, je me suis trompé, c'est pas vrai. Et on l'avait vu de loin, mais il nous avait pas parlé du tout. Et cette fois-ci, il est venu avec Diego et cette fois-ci, il a parlé. C'est Dristan Todd, c'est le chef des MP. Des no fails. Ça recommence à... Là, ça recommence. C'est bizarre. Non, c'est pas un effet d'un truc dans le serveur, en fait. C'est... Ouais, c'est bizarre, quand même. Bon, bah, en tout cas, moi, je vais vous remercier d'avoir été là ce soir avec moi, avec nous, avec Ross et moi. Je vous dis à demain, je vais essayer de régler ça, je vais peut-être changer, je vais peut-être aller mettre, pour le soir, je vais peut-être mettre OBS, je vais voir. Bonne soirée à vous, merci d'avoir été là. On est toujours en saison 2, hein, puisque on changera que si jamais on rentre chez MP, pour une saison 3. Alors, on va attendre, on va voir ce qu'on va faire, est-ce qu'on va continuer notre bise, on va peut-être faire des ammunitions, des choses comme ça, on attend. Attendant que ça se décante. Donc moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.